Bonjour. J'aimerais partager avec vous des exercices pour les yeux. C'est vrai que dans cette période de confinement, nous regardons beaucoup nos ordinateurs. Et nos regards sont fort fixes devant et très proches. Ça veut dire qu'on perd tous les mouvements autour de nous. Aussi, on dit que les yeux sont les miroirs de l'âme. Ça veut dire que quand nous sommes stressés ou nerveux, on va fixer le regard. Eh bien, je vais vous proposer toute une série d'exercices pour mobiliser les muscles du globe oculaire. On va commencer. On va commencer par frotter les mains. On va frotter bien les mains pour créer une chaleur. Et alors, je vais vous montrer des profils. Ce qu'on va faire, c'est que on va approcher les mains aux yeux, mais sans les toucher. Juste pour sentir une chaleur. On ne va pas toucher les yeux dans ces moments. Donc on va juste s'approcher aux yeux pour sentir la chaleur des mains. On va les faire encore une autre fois. Donc on frotte bien les mains. On frotte les mains. Et juste sentir la chaleur de nos mains. On va le faire une dernière fois. Je le fais cette fois-ci devant vous. Nous allons continuer avec des mouvements des yeux. Nous allons faire des mouvements verticaux, du haut vers le bas. Et on va les faire une vingtaine de fois. On regarde tout en haut. En bas. Dix. Encore dix. Très bien. Maintenant, de droite à gauche. On essaie de bien mobiliser nos muscles. Dix. On refait encore dix. Encore cinq. Très bien. Maintenant, on va faire des mouvements diagonaux. 20 aussi. On commence. Donc, on essaie d'aller jusqu'au coin des yeux. Et nous allons sentir que ça travaille vraiment les muscles. Encore 10. Au départ, vous allez sentir comme si vous avez un peu de poussière dans les yeux, parce qu'on n'est plus habitué à les mobiliser. Mais petit à petit, encore 10, petit à petit, nous allons sentir nos yeux qui sont plus agiles. Et nous allons aussi avoir de meilleurs réflexes. Très bien, nous allons faire l'autre diagonale. 20 aussi. Donc, on commence. Allez-y vraiment. Jusqu'au coin de l'œil. Encore 10. Ok, très bien. Nous allons maintenant faire des cercles. Vous faites des cercles d'un côté et des cercles de l'autre côté. Commence en haut. Et encore une autre fois, l'idée c'est exercer nos muscles. On va faire 10 d'un côté.
et 10 de l'autre côté. Très bien. Après ça, on va ouvrir et fermer les yeux. 20 fois. 30 fois. Nous allons faire maintenant des exercices des changements de focus. Ça veut dire qu'on va fixer notre regard dans des différents points et on va passer de l'un à l'autre. Donc, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va choisir un point loin de soi. Donc, on peut fixer un tableau ou un objet sur un meuble. Et puis, nous allons regarder notre index. Et puis, nous allons regarder les points de notre nez. Et on va passer d'un à l'autre. Ça veut dire les points loin, mon doigt et mon nez. Loin, mon doigt et mon nez. On va faire ça 10 fois. Loin. Loin, mon doigt et mon nez. Loin, mon doigt et mon nez. Loin, mon doigt et mon nez. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer les doigts, on va les mettre loin devant soi et on va l'approcher au nez. Alors, heureusement que vous faites ça tout seul. Moi, je vais regarder pour voir ce que j'ai fait. Mais l'idée, c'est vraiment mobiliser les muscles. On fait ça une dizaine de fois. Et on va fermer les yeux en même temps qu'on va frotter les mains. Nous allons finir cette séance, frottant les mains. Et même chose, on va ramener les mains aux yeux, mais on ne va pas les toucher, on va les juste proches pour qu'on sente la chaleur de nos mains. On frotte et on ramène. Encore une autre fois. Voilà, donc cet exercice, je vous le conseille de faire une fois par jour et vous allez vraiment sentir pour les yeux fatigués que ça va vous aider. Et il faut le faire sans lunettes, évidemment. Alors au départ, vous allez peut-être sentir comme si vous avez une petite poussière dans les yeux, mais c'est parce que vos muscles n'ont pas l'habitude de faire ce genre de mouvement. Mais au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez sentir que vos yeux sont plus détendus. Donc faites-le une fois par jour, si vous avez l'occasion, faites-le 2 fois par jour et vous allez que vous allez sentir que votre regard est plus détendu. J'espère que ça vous a servi, cette série des exercices et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo.